Je voudrais, par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien, souligner une chose, le travail réalisé par les consulats algériens en France. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens ne sont pas contents parce que c'est trop long, parce que ceci, parce que cela. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que les gens partagent quand ils sont contents, quand ils sont et ils ont été servis, on s'est occupé d'eux rapidement, pris en charge rapidement. J'ai eu l'occasion pendant la dernière soirée de l'ambassade d'échanger avec le consul du consulat de Nanterre et le consul du consulat de Bordeaux. Et bien, j'ai rencontré deux personnes franchement extraordinaires, très professionnelles, et je suis persuadé déjà que vous avez remarqué les changements qui ont été opérés justement par ces deux consuls, autant à Bordeaux qu'à Nanterre. Et là, j'ai parlé de ça et j'ai entendu dire oui, à Lyon c'est super, à Montpellier c'est super. Eh bien écoutez, je vous invite toutes et tous à partager sur tous les réseaux possibles eh bien, vos expériences, alors négatives, on le sait parce que quand on n'est pas content, on le dit. Mais je trouve que c'est dommage que quand on soit content, on ne le partage pas. Alors partagez vos expériences, partagez effectivement eh bien, la qualité du service que vous avez remarqué. Et parce que vous savez, c'est pas facile, hein. Il y a beaucoup, la communauté algérienne en France est très importante. Effectivement, eh bien, les consulats sont souvent submergés. Et je vous garantis que ces personnes font en sorte de faire du mieux qu'ils peuvent pour servir en temps et en heure. Et c'est vrai que, voilà, j'ai échangé avec ces deux consuls. Ça a été un très bon moment et ils font de leur mieux. Je vous garantis qu'ils font de leur mieux. Donc, c'est peut-être le moment de leur dire merci. Merci pour ce que vous faites. Et merci aux autorités, parce que c'est vrai que les autorités également ont allégé les démarches pour venir en Algérie durant les vacances, car je vous rappelle que jusqu'au 31 octobre, eh bien, vous pouvez venir en Algérie avec un passeport algérien périmé, ou alors si vos enfants n'ont pas de passeport, avec un acte de naissance ou un livret de famille. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très belle opportunité de venir chez vous, de revenir chez vous, voir votre pays, peut-être même prospecter pour y entreprendre. Voilà, force et détermination.